Présentation maintenant des finalistes de la catégorie cadet. On monte d'un cran. Sur la grille de départ pour le club de Voisins Bretonneux, numéro 87, Stéphane de Durfort. Ouais. Pour l'éclair, numéro 92, Gaël Jolibeau. Ouais. Pour l'éclair, numéro 18, Ludovic Fauvet. Ouais. Pour Voisin, numéro 12, Pierre Chabot. Pour l'éclair, numéro 74, Vincent Ruyet. Ouais. Pour l'éclair, numéro 33, Alexis Moldez. Ouais. Pour Voisin, numéro 50, Enzo Thomas. Ouais. Et enfin, pour l'éclair, numéro 65, Paul Hulin. Ouais. Voilà, attention, ce sont les cadets maintenant sur la piste des fous furieux qui viennent de partir avec Paul Hulin. Ouais, attention, sortie de piste, les deux pilotes d'éclair qui se retrouvent de derrière terre, à limite à s'embrasser, mais je vais enfin tout faire haut. Ludovic Fauvet, donc Vincent Ruyet, voilà. Allez, non ! Pour l'instant, bien sûr, c'est Paul Hulin nettement détaché maintenant qui a pris l'avantage. Un avantage considérable avec quasiment une vingtaine de longueurs d'avance. Il ne devra plus être inquiété, il suffit bien évidemment de gérer sa course jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, allez, Enzo, allez, Enzo Thomas à la deuxième position, la troisième place pour Pierre Chabot, et vainqueur, champion départemental, donc en cadet, Paul Hulin.